Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soircoolo, Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos du défi du grand froid. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'emplacement exact de l'étoile secrète, de l'écran de chargement hashtag 7 des défis du grand froid. Quand vous aurez fini cette semaine et uniquement quand vous aurez fini cette semaine de défi, vous aurez une étoile secrète qui apparaîtra dans la map de Fortnite. Sur cet écran de chargement, il y a une étoile secrète qui est cachée. Normalement, elle est assez visible, vous l'avez sûrement déjà repérée, mais je fais quand même un zoom dessus pour les plus aveugles d'entre vous. Je déconne bien sûr. L'emplacement de l'étoile secrète se trouve à Polar Peak, plus exactement juste ici. Je vais essayer de passer dans la sphère, je sais pas, j'ai jamais essayé, je vais voir un peu ce que ça fait. Ok, ça nous bloque. Okay. Oh putain, ça te gèle carrément l'écran. Ok, nice. Donc je pense qu'il faut rentrer par l'entrée principale, effectivement, il y a quand même du monde. Donc je vais m'équiper quand même d'un shotgun pour être sûr de ne pas me faire défoncer. Ok, nice. Maintenant, l'étoile secrète se trouve juste à côté gauche du siège, tout simplement, du trône. Donc vous interagissez avec, hop. Et puis c'est tout. Après, vous pouvez vous faire tuer, finir la partie, faire ce que vous voulez. L'étoile sera validée normalement. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34. Bien sûr, j'ai oublié de le dire en début de vidéo. Mais il a fini les défis en 50 minutes. Il a fini les défis de la semaine 7. Franchement, gros good game à lui. Il m'a prêté son compte pour faire cette vidéo justement. Donc je mettrai sa chaîne en description. Merci à tous ceux qui ont le soutenir en s'abonnant à sa chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soircoolo Mike. Et ciao. Peace. I'm me, bruh.